Bonjour à tous, bienvenue sur la Genae TV. Vous le savez, comme chaque semaine, nous vous proposons pour démarrer la vôtre, le Reste Actif Challenge. Qu'est-ce que c'est? C'est une manière de rester en forme. On vous propose des petits circuits très courts, comme ça à faire à la maison, en famille. Vraiment, c'est top. Cardio, renfo mélangé, c'est l'exercice parfait. De travailler en intervalle, c'est bon pour brûler des calories, mais surtout longtemps. Donc moi, c'est Gwen, et ce matin, je vous propose donc deux circuits. Vous allez devoir enchaîner des mouvements cardio et des mouvements de renfo. 4 mouvements de cardio, 4 mouvements de renfo. Je vous montre, allez, venez avec moi. Le premier mouvement cardio, on va commencer par ce cardio-là. On va faire des jumping jacks. Vous connaissez bien le mouvement, mais souvent, vous faites des jumping jacks sur pointe de pied ici. On va essayer cette fois-ci de placer les pieds à plat et de descendre un peu plus sur les jambes et de laisser ici le bras se rejoindre. Ça ferait. Donc facile, mouvement super connu, le jumping jack. Il va falloir en faire 30. Là, vous allez compter vos répétitions sur chacun de vos mouvements. Le jumping jack, c'est OK? Donc 30 jumping jack. Deuxième mouvement, oh, celui-là on l'aime pas trop, mais indispensable pour brûler les calories, les montées de genoux. Vous faites ce que vous pouvez ici. Et vous montez les genoux sur 30 fois. Alors, c'est pas 1, 2, 3, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Montez les genoux et aidez-vous de vos bras. Si vous ne supportez pas les impacts, vous pouvez très bien monter les genoux ici rapidement et activer les bras pour monter votre fréquence cardiaque. Sinon, et ça, au niveau du cardio, c'est relativement intense, mais très efficace. Faites de votre mieux, vous allez voir qu'au fur et à mesure des séances, vos genoux vont s'élever avec vous. Oui, oui. Prochain mouvement, on va venir taper à l'intérieur du pied. Facile, classique, les bras tendus pour faire grimper la fréquence cardiaque. Sans impact, tu peux aussi le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça, 30 fois, 30 jumping jack, 30 montées de genoux, 30 tapes à l'intérieur du pied. C'est OK pour toi? Et on termine par un quatrième mouvement parce que je te dis 4. Les ciseaux, le buste fier, la poitrine haute, tu rentres le ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essaye pour le ciseau, tout comme le jumping jack, d'avoir les pieds à plat. Je te le recommande d'être sur pointe de pied. C'est certes plus facile, moins athlétique et aussi moins efficace sur les jambes. Actionne tes bras pour élever ta fréquence cardiaque. Ne laisse pas tes bras se balader. Vraiment, gaine-toi, contrôle ton mouvement du début à la fin. Je répète, 30 jumping jack, 30 genoux, 30 tapes à l'intérieur du pied et 30 ciseaux. Tu as ta partie cardio. La partie renfo, hyper simple, puisqu'on va commencer par des squats sur pointe de pied. Pourquoi pointe de pied? J'aime bien, parce que ça intensifie la contraction des quadriceps et ça fait élever un petit peu ta fréquence cardiaque. C'est-à-dire, en bas, haut. Et il y en a 30. Pas, 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 pas. Et vraiment, tu vas voir qu'effectivement, ta fréquence cardiaque va s'élever. Si toutefois c'était trop intense, pratique des squats classiques, aucun problème. Je te rappelle que le squat, pour être efficace et avoir du changement au niveau des cuisses, il va falloir que tu descendes tes fesses à la hauteur de tes genoux. Ne fais pas des demi-squats ici, tu risquerais d'être déçu et sur le long terme, de ne pas avoir de résultat. Donc, fais bien attention, on descend les fesses. Tant pis si le rythme est plus lent, mais ton résultat sera bien plus probant. Donc tu descends tes fesses sur le squat. Ensuite, des pompes. Oui mesdames, les pompes, c'est pas ce qu'on préfère. Moi non plus, je n'aime pas. Mais ça a l'avantage de bosser les épaules, les biceps, les pecs. C'est vraiment ultra complet. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est si dur. Et aussi le centre du corps. Faut pas oublier que sur des pompes, vous êtes gainés. Mais mesdames, je vais vous donner une option sur ces pompes.
allez me dire qu'il faut en faire 30. Non, rassurez-vous, 20 pompes suffisent. Messieurs, si vous poussez jusqu'à 30, ce serait formidable. C'est un peu votre point fort. Je pense que vous pouvez le faire. Mesdames, comme promis, je vous montre l'option. Les mains ici, super larges. Ok, si vous avez un tapis, vous prenez vraiment l'extérieur du tapis. Ça vous donne un très très bon repère. Mesdames, les genoux légèrement écartés, vous descendez la poitrine vers le sol et vous poussez dans les paumes de main. Vraiment, c'est important cette petite subtilité. En bas, en haut, en bas, en haut. Les coudes vers l'extérieur. Si vous êtes plutôt à l'aise, mesdames, reculez légèrement les genoux. En bas, en haut. Messieurs, je compte sur vous pour les faire sur pointe de pied, bien évidemment. En bas, en haut, en bas, en haut. Mesdames, 20 fois, donnez le meilleur de vous-même. Ça, c'est sûr. Ensuite, facile. Gainage dynamique. Super simple. Gainage dynamique ici, sur les coudes. J'ai entendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et jusqu'à 30. Et oui, on retrouve notre chiffre 30. Si toutefois vous êtes sur les genoux ici, essayez de dégager les bras. 1, 2, 3, 4. Ça peut marcher aussi. Et si toutefois c'était trop difficile pour vous de dynamiser votre gainage, placez votre chrono et laissez-vous faire pendant 45 secondes. Ça pourrait être un très très bon compromis. Il nous manque un dernier mouvement pour faire nos quatre. Bien évidemment, ce sont les squats sumo. Les squats sumo, il va falloir avoir les pieds très écartés. Ok, on va engager l'intérieur de vos cuisses, le dessus des cuisses, mais aussi vos fessiers. On pousse les fesses vers l'arrière, on descend bien les fesses à hauteur des genoux, tout comme le squat normal, et on remonte. Tac, et il y en a 30. On finit plutôt en douceur, hein? Numéro 1, squat sur pointe de pied. Numéro 2, pompe. N'oubliez pas les 20, pas 30, 20, pompe. Ensuite, 3, le gainage dynamique. Et en quatrième, les squats sumo, super simple que je viens de vous montrer, les pieds écart et on va en haut sur 30. Bref, 2, parties, 4, 4, cardio, renfo, tu mixes ça, ça te fait un tour. Si tu peux faire ça 5 fois, c'est formidable et tu vas voir que le résultat va être génial. Tu vas pouvoir te dépenser, tu fais ça régulièrement et crois-moi que tu vas garder la forme, la santé, bref, un corps de rêve. Je t'embrasse, je te dis à bientôt sur le Rest Active Challenge. Prenez bien soin de vous. Ciao!